américain. Sous le choc, l'une de ses valeurs montantes a été tuée. Âgé d'à peine 20 ans, le rappeur XXXTentacion a été abattu près de Miami alors qu'il venait de quitter un magasin de motos. Personnalité sulfureuse et controversée, il était considéré comme l'un des leaders de la nouvelle génération du hip-hop. Sorti en mars, son deuxième album s'était classé en tête des ventes. Récit signé Geoffrey Marin-Joris. En 20 ans, il aura tout donné. Ses clips violents, sa vie tumultueuse, ses compositions entraînantes. XXXTentacion était spectaculaire. Pour le meilleur, son unique tournée il y a un an. Notre rappeur est victime d'un chaos technique, cadeau d'un anonyme. Le pire, prison pour coups et blessures contre son ex-petite amie, alors enceinte. Il aimait Nirvana et le gangsta rap, jouant à sa manière les artistes maudits. I fucking die a tragic. I at least want to know that the kids and able to take my message and use it and turn it into something positive. Monsieur avait du nez et un sac de marque hier dans son bolide, attirant. Deux hommes le braquent et le tuent. Notre rappeur sortait d'un magasin de moto. Deux hommes armés se sont approchés de lui. Au moins l'un d'entre eux a tiré. En l'état actuel de l'enquête, il semble s'agir d'un braquage. Les fans pleurent l'idole aux deux albums. Il avait une telle variété dans ses chansons, des accents country, rock, rap. Kanye West s'incline aussi. Repose en paix, je ne t'ai jamais dit à quel point tu m'as inspiré quand tu étais là. Merci d'être passé parmi nous. Hécatombe et coïncidence hier soir, cette autre figure montante, Jimmy Wopu, tombait dans une fusillade à des milliers de kilomètres de là, à Pittsburgh. Rap, Eryx, Tupac, autre star, était tombé il y a 20 ans à Las Vegas, lui aussi braqué. Rap et revenant, 50 Cent miraculé avait reçu 9 balles en l'an 2000. Aujourd'hui, debout et assagi. Allez, tout autre chose à présent, des petits plats dans les grands pour une visite pas comme les autres.